Yo, c'est Nintendo de votre nouvelle vidéo du gaming, votre meilleur youtubeur bien sûr. Et dans cette vidéo, on va faire un petit tuto, what the fuck, un petit tuto sur comment jouer à Nintendo 64 sur Android 2. Et je crois que j'ai envoyé ce tuto à une chaîne communauté de tuto. Je vous le montrerai. La chaîne communauté s'appelle Tuto Watch TV. Ok, et pour ceux qui regardent cette vidéo sur Tuto Watch TV, n'hésitez pas à venir regarder ma chaîne, une très bonne chaîne de gaming. Et je vais aussi obtenir cette vidéo sur ma deuxième chaîne Gaming Gangstars. Vous aussi regarder. N'hésitez pas à liker, partager, commenter. Et vous abonner. On va commencer à voir la vidéo. Car c'est une très bonne vidéo. Alors c'est parti. Pour commencer, vous allez télécharger Emu Paradise. Ah non. Pour commencer, vous allez. Oh putain, excusez. Pour commencer, vous allez aller sur le Play Store. Vous allez télécharger Mupin 64 plus. Voici le premier. Vous allez télécharger. Moi, je l'ai déjà installé. Il n'y a pas que 9 mégas. Donc, il ouvre à tout le monde. Après, vous allez sur votre navigateur. Vous allez sur le site web Emu Paradise. Emu Paradise. Ok, on y est. Miss Me Paradise. Là, putain. On va chercher les jeux Nintendo 64. En fait, ils s'appellent des ROM. Des ROM, on va essayer des ROM. Pour voir Nintendo 64. Bon, il y a quelques jeux emblématiques. Nintendo 64 qui peut me plaire. Ok, on va utiliser des rooms. Là, vous allez dans Featured Sections. Il y a Rooms, ISOs, and Games. Qui est là. Et là, il y aura Consoles et Arcade Systems. Comme vous le voyez, il va chercher la Nintendo 64. La Nintendo 64 Rooms. On appuie dessus. Vous avez une page remplie de jeux. Là, vous voyez, c'est les jeux les plus joués. Donc, on va essayer avec. Même pas la communauté de ces jeux. Il n'y en a quand même aucun, vous savez. Je ne suis pas fan. À prendre. Moi, j'ai combat trilogie. Non, non. Moi, j'ai cherché Mario. Ou un Zelda. Attendez, on va chercher. On va chercher Mario. Donc on a peut-être changé, finalement on va prendre Mortal Kombat Trilogy. On remonte à combat car, ok, on remonte à combat car. Là, que vous voulez que je dirige une page comme celle-ci, vous allez cliquer sur car, download link. Cliquez sur car, download link. Et là, vous allez pouvoir le télécharger. Vous allez juste appuyer là. Download mode à combat car. Ok, on va stopper la vidéo pour le moment. On se retrouve tout à l'heure. Dès que le jeu sera fini, au revoir. Et nous revoyons tout de suite pour le reparti de la vidéo. Go. Ok, c'est reparti. Là, vous voyez, j'ai fini de télécharger la ROM. On va dans
ça charge un peu, un petit peu. Ok, là, vous voyez, moi, ta combat, car. Vous voyez, on a fait des chers à Rome. Ta combat, car. Maintenant, vous allez juste aller sur me peindre sur un car plus. Ok, on a dans ta charge. D'accord. Ok. Vous allez sur rafraîchir les Roms. Et maintenant, vous allez chercher le dossier où on peut trouver vos rooms. Moi, c'était dans l'autre. Ok, là, vous voyez ma room, moi, ta combat 4. Vous allez appuyer dessus. Vous appuyez, ok. Oui, il y aura un petit enchargement, mais pas longtemps. Ok, là, vous allez voir l'icône de mode à combat 4 apparaître. Vous allez appuyer dessus. Depuis stats, et vous pourrez jouer Mortal Kombat 4 vraiment. Et pour les paramètres, n'hésitez pas à regarder les tutos d'autres youtubeurs qui en connaissent plus. Moi, pour les paramètres, vraiment, je suis pas le meilleur. Vraiment, que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, partager, commenter et surtout abonnez-vous. Je vous laisse avec cette petite partie Mortal Kombat pour que vous puissiez voir. Au revoir.